Imaginez un festival autour de la voix, qui réunit des peintres, qui réunit des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes, tout ça autour d'une même passion qui est le cœur et la façon dont on peut utiliser la musique et la voix. Eh bien, vous aurez une idée à peu près du festival Histoire de cœur qui est porté par Emmanuelle Piot, la directrice du Conservatoire de musique et danse de Saint-Palais-sur-Mer. Le festival Histoire de cœur est né en 2013 à l'occasion des 10 ans de l'ensemble vocal féminin. Le Conservatoire de Saint-Palais s'est spécialisé dans la pratique du chant choral. Ses 5 chœurs, enfants, adolescents, ensemble vocal féminin, chœur d'hommes et grand chœur mixte, accueillent de nombreux chanteurs amateurs issus du pays royanais où ils se produisent régulièrement tout au long de l'année. Le temps d'un week-end, avant la saison estivale, la ville de Saint-Palais se met à vivre au rythme des chœurs. Plus de 150 chanteurs amateurs participent au festival. Ils sont accompagnés par des musiciens professionnels issus de la région. À chaque édition du festival, les organisateurs invitent des artistes qui partagent la même sensibilité artistique et humaine. L'originalité des concerts consiste à associer le chant choral à d'autres formes d'expression artistique. La photographie, la peinture, mais aussi le conte musical, la mise en scène, l'opéra et l'art dramatique. L'ensemble des concerts est gratuit pour les enfants et les tarifs adultes restent très abordables, avec aussi la possibilité d'un abonnement pour le festival. On rentre à la chorale d'abord parce qu'on aime chanter. Ça nous fait plaisir, on chante sous la douche, on chante chez soi, on aime ça, voilà, on aime ça, et puis on aime la musique, et puis on a envie de participer après avec un groupe, essayer de faire quelque chose de plus de cette envie de chanter qui est là, mais on se dit que peut-être on pourrait en faire davantage. To our batteries, zero worries.